camping éco-nature à Diallo-Bolong. Silvio, qui est le propriétaire de ce campement, un campement éco-responsable. Peux-tu m'expliquer ce que tu fais ici, qui tu accueilles dans ton campement? Oui, ici, je suis très content, Gérald, de parler avec vous. Ici, on accueille des Norvégiens, des Suédois, des fois des Français, des Allemands. Et vous, la première fois, les Suisses. Oui. Merci. Et c'est un milieu vraiment dans la nature. C'est un milieu extraordinaire où les gens aiment toujours venir ici. Et vraiment, on est très content de tout le monde, des gens qui viennent ici. Vraiment. Alors, préparation du thé à la sénégalaise. What's your name? My name is Modu Lamine Fati Janabolong. Oh, and what's your job here? Yes, my job here in the campament, I am the driver to go and pick the guests from the airport and to take them off a safari. Oh, it's okay. It's my job here in Janabolong. I like the job. Oui, good. Alors Lamine est le chauffeur du camp. Il va chercher les touristes à l'aéroport et il les transporte également dans des... pour faire des safaris. Derrière la dune. On marche. On a voulu couper depuis la plage à travers la forêt et on s'est un peu paumé quoi. Donc on a trouvé un petit chemin maintenant et on le suit. C'est joli comme tour. C'est le matin, mais il fait déjà au moins 35 degrés. Alors, le village de Léontine s'appelle Etchouard. Très beau village où il n'y a malheureusement plus qu'une famille avec le vieux là qui vit dans ce village. Conditions trop difficiles parce qu'il n'y a pas d'eau, il faut faire une demi-heure à pied
la montée que l'on a fait avec 20 à 30 litres sur la tête, c'est trop pénible. Et là, c'est la case pour on fait les bières de mil, les bières de la bière de mil et tout le reste où on garde. C'est des, il y a des pots. Voilà le lit. Il n'a pas de serpent. Sur pilotis pour empêcher les animaux de venir manger. Réserve de bière de mil. À pied à travers le fleuve Gambie. Laisser la fenêtre ouverte. D'accord. Au revoir si jamais, hein. C'est moi qui me fais bouffer. Alors ça, on a la chance là, hein. Il y en avait un, deux, trois. Ouais.
rebalade jusqu'à la cascade de Difendelo. Une demi-heure, 40 minutes de marche à l'ombre, mais à 40 degrés. On se réjouit d'y arriver.